toi aussi t'es un vrai. Là, les loupes du 58. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Hey, salut les amis, c'est Pauly, j'espère que vous êtes tous très très bien. Moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, car le jour où vous allez regarder cette vidéo, le jour où je vais poster cette vidéo, ce sera le jour de mes 16 ans. Et c'est pour ça, voilà, je vous fais une vidéo spéciale aujourd'hui qui sera composée de deux parties. Première partie, ça va être, je vais vous présenter un peu ce que j'ai eu pour mon anniversaire, petit cadeau très sympathique. Et en deuxième partie, un petit best-of des meilleurs moments de ce début d'année 2019, voilà. Et puis voilà, je pense maintenant, j'essaierai de vous faire des best-of chaque mois, voilà, ils sont très courts, hein, parce que je publie pas énormément de vidéos, on va dire, une par semaine minimum, donc, petite carte de 25€ Micromania, je pense que je vais m'acheter une petite figurine avec, voilà, vous vous en doutez un peu avec toutes les figurines qu'il y a au fond, là, voilà. Ensuite, le deuxième cadeau, je vais le déballer avec vous, c'est la petite figurine pop de Trunks de Dragon Ball Z. Donc voilà, je vais la déballer avec vous tout de suite. Je vais garder la boîte, hein, évidemment. La figurine pop qui est très très belle. Et elle est très très bien faite aussi. Et voilà, la petite figurine Trunks qui est très bien faite. Voilà. Bon, de toute façon, les figurines pop en vrai, c'est des figurines, voilà. C'est pas les meilleures figurines, mais elles sont très bien faites, franchement. Il y a des bons petits détails. C'est tout petit. Voilà, les détails sont très, très beaux. Bon, je trouve ça très cool comme figurine, voilà, je vais... Bah, ceux qui m'ont donné ces petits cadeaux, ils se reconnaîtront, hein, et puis, voilà, bah, je les remercie. Le dernier cadeau va vous étonner, parce qu'en fait, je le porte sur moi depuis le début, voilà. C'est un petit survêtement du Paris Saint-Germain. Donc, pour ceux qui sont pas pour le Paris Saint-Germain, bah, vous pouvez avancer jusqu'au best-of, voilà. Mais bref, voilà, très beau, franchement, très très beau, magnifique. Un petit survêtement du PSG. Donc, voilà, le haut rose... qui est vraiment super avec les petits. Attendez, je vais me lever, ça va être plus simple. Tac. Donc, le petit haut, vous voyez, tac. Je sais pas si vous m'entendez bien. Petit haut rose, attendez, et je tourne comme dans les jeux. Voilà, vous avez vu, attendez, je repasse un peu là. Tac, vous voyez, petit logo Nike. Là, sur le côté, Paris, voilà. Franchement, ce survêt est vraiment très beau. Et attendez, je vais décaler un peu la webcam. Donc voilà, je l'ai décalé un peu. Là, vous pouvez voir le petit survêt avec le petit logo du PSG. Les petites bandes roses, voilà. Et puis de l'autre côté, hop, le petit logo avec les petites bandes roses. Donc franchement, il est super stylé. Et voilà, franchement, je suis ultra content des cadeaux qu'on m'a offerts. Ils sont vraiment superbes. Bref, les amis, je vais vous laisser avec le petit best-of des meilleurs moments de ce début d'année 2019. Et sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Faut éviter de se prendre les tyroliennes en plein vol. Sinon, bah, pas un caca. Il a balancé une clope sur le gazon. Il faisait 30 degrés. Oh, dis-là, on t'avait dit de pas faire. Oh, les garçons. Toi, ils ont volé ton goûter. Ce sont des ratades. T'as volé mon goûter. Oh, bien joué, ça. Ah non, mais mec, mais j'ai pas pu exécuter juste parce qu'elle m'a attaqué. Non, lui il est chaud, lui il était chaud, mec. Sur dans ma chambre. Ah, dans ta chambre, oui. Tu veux, dans la salle de bain à côté de tes chats. Sur un chat même, oups. un passage de coupé en plus. Hop. Sur une chatte, hein. Allez, hop, un passage de plus. Mais ton... Putain, mais ton père, le jardinier, est là. Mais quoi? Non, mais c'est en sketch. Ils viennent à trois, j'étais contre elle. Et voilà, mais c'est quoi ça? Le prestige en terre. Quoi? Ah ouais. Oh, Police Dark, le joueur d'origine franco-hongroise. Pourquoi hongroise? Mais parce que c'est joli la hongroisie. La hongroisie. Wouah, alors lui. Hey, yeah.
champion. Bah quoi, c'est Tom, pas l'Hongrie. Tom, t'es vraiment très culturel. Tout à l'heure, ce serait pas la Hongrie. Ah, peut-être, t'as peut-être raison. De mémoire, je crois non, c'est ça. Pas, il a peut-être raison, c'est il a raison. Ah oui. Je sais pas comment je vais m'en quitter et j'ai pas envie de jouer sans toi. Parce que je te trouve hyper beau, enfin, je veux dire. Je voulais pas te le dire au début, mais je sais pas, t'as un petit style, je. En fait, je t'aime. Oui! Putain, top 1, 1 kill, j'en ai rien à. Putain, toi, je t'aime! Eh! Enfin, top 1 solo en vidéo! Eh! Eh! N'empêche, eh! Top 1, 1 kill, c'est énorme! Oh, j'adore, mec! Eh, le mec en face, comment il doit être trop deg! Je me suis caché toute la game. Non, je veux pas mourir. Oui. Non. Ça va être Greencore. On se pute. Viens ici. Allez, va venir avec toi. J'ai gagné. Non, j'ai appuyé trop tôt. Mais non, mais à chaque fois je fais carré comme un con dans le vide. Mais ça arrête. Non. Oh mec, j'ai. Et il était AFK, il y a plus de patrie. Mais je sais, mais je m'en fous. J'ai pleuré ma race. Aïe. Oh, je viens de me mettre un bâton dans les couilles.